Donc les gars, aujourd'hui on va unbox un produit de GLab qui m'a été envoyé gratuitement, donc je les remercie beaucoup. Il m'a envoyé ce grand colis. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a deux packs combo. Enfin, vous allez comprendre. Ils m'en ont envoyé deux. Donc en fait, ils m'ont proposé plusieurs produits. Et je leur ai dit que j'étais vraiment intéressé par celui que je vais vous présenter, tout simplement. Et ils m'ont dit, bah, si vous voulez, bah, on peut vous en passer deux. Et du coup, bah, maintenant, j'en ai un deuxième. Donc il sera pour vous, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais pas le garder pour rien. Donc voilà. Et de 1 et de 2, les mecs. Au fait, les mecs, pour la souris à 1€ que j'ai unbox la dernière fois, j'ai eu des très bons retours, j'ai eu plus de 5000 likes, j'ai demandé 5000 pour l'explosif, donc j'ai juste à attendre mon frère qui revienne, parce qu'en fait il est en internat et du coup bah je filme avec son portable, c'est vraiment plus pratique et c'est de meilleure qualité. Ou peut-être que je pourrais vraiment, sans doute, me procurer un appareil photo dans ma famille, je pense fortement que je pourrais, avec une très bonne qualité, comme ça bah je vous offre de la bonne qualité. Mais en attendant, là la cam, je pense qu'elle va, je sais pas, normalement elle va bien. Donc voilà, on va voir ce qui se trouve à l'intérieur, les mecs, parce que là vous allez pas l'air de beaucoup voir. Alors à l'intérieur, on peut voir le clavier à la surface, on va dire. Donc le clavier, on le prend, on le met doucement ici. Ah, il y a des flics. Donc on prend ça, on le met sur le côté. Je vais tout vous présenter, les mecs. Il y a aussi un tapis de souris, donc voilà. La souris qui m'a envoyé. Donc on va l'ouvrir, les mecs. Donc voilà, il est très lisse pour l'instant. Après, on va le tester en jeu, tout simplement. Il est vraiment très lisse. Là, je pense pas que vous pouvez le voir. Mais bref, il est vraiment très lisse. Mais en vrai, il sent le plastique, mon frère. À propos de la souris à 1€ que j'ai unbox dernièrement, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était fake. Mais en fait, je comprends vraiment qu'il y en a qui l'aient trouvé à plus cher, genre plus de 1€. Mais moi, en fait, enfin, je l'ai trouvé à 1€. J'ai trouvé sur Wish et le terme réduction. Vous connaissez sans doute. En même temps, je n'ai pas trouvé des souris à 1€ sur Amazon de cette qualité. Enfin, je veux dire, de cette optique-là. J'ai vraiment eu de la chance pour l'avoir bah, à un tel prix. Alors ça, d'ailleurs, c'est le casque que Vita VP unbox. Alors c'est vraiment, bien. J'espère que, hey, franchement, je joue avec ces écouteurs là, donc ça fait longtemps que je me suis habitué avec ça, mais je vais pouvoir enfin tester un bon casque. Donc oui les gars, il y en a qui l'ont vu à plus de 1€, mais en fait sur le moment que je l'ai acheté, elle était en réduction, il me semble, hein, vraiment, il me semble qu'elle était en réduction. Non, en fait je l'aurais pas pris, parce que si vous voulez, j'essaie de vous trouver des trucs un peu bah what the fuck, tout simplement, à unbox, et je vais essayer de pas me ruiner en... parce qu'imaginons si une souris coûte 30 balles, après enfin, ça fera qu'une vidéo, je sais pas si vous voyez. Donc vaut mieux taper dans les trucs un peu moins chers. Par contre j'étais pas sûr de la recevoir, la souris, hein, vraiment. Le câble qui va avec le casque. Alors là, on va ouvrir cette boîte. Je sais pas ce qu'il y a. Effectivement, il y a la souris. Donc pour l'instant, je trouve qu'elle a vraiment un beau design. Ah, je pense vraiment, franchement, je pense vraiment que c'est de la bonne qualité. Au fait, on va retirer ça. Hop, il y avait deux petits embouts. Alors, du coup, je vais tout mettre sur la table et je vais enlever le carton. Parce que là, je pense que vous voyez pas beaucoup. Merde, la lumière. Donc ça, on peut l'enlever directement. En tout cas, je suis vraiment content d'unbox un gros colis comme ça. A savoir que c'est pas cher, les mecs, hein, j'ai oublié de vous le dire. Mais c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Parce que c'est à 50€ et il y a un casque, un clavier, une souris et un tapis de souris. Franchement, je trouve ça vraiment pas cher. Pour ceux qui n'ont pas des budgets à 300€, je pense vraiment que c'est vraiment une bonne affaire. Donc tous les liens sont dans la description, hein, je respecte le partenariat. Ils m'envoient des produits gratuitement et moi, en échange, bah, je leur fais de la pub. Donc le casque, les mecs, je vais le brancher. Tu vas voir ce que ça donne. Alors un super point, il fait de la lumière comme dans la vidéo du TAPP. J'espère qu'il vibre, en fait, quand... Là, je l'ai mis, mais j'espère qu'il vibre. J'essaie de mettre plus fort encore pour voir ce que ça donne. Sans me casser les oreilles, bien sûr. Et écoutez, après un test, franchement, je trouve qu'il est vraiment cool. Franchement, après ici, les mecs, vous avez quelque chose pour augmenter et baisser le son directement ici. Donc, comme ça, pas besoin de prendre du temps. Ça, c'est cool. Franchement, je valide le casque. Vous pouvez voir qu'il a franchement des belles lumières. Après, le clavier, alors là, donc déjà, c'est un AZERTY. Ça marque un point. Il y en a qui envoient des colis. Genre, c'est pas en AZERTY tout simplement. C'est en QWERTY. C'est un peu chiant en fait quand tu t'habitues à jouer en AZERTY et que c'est un QWERTY. Du coup, je défais ce fil. Hop, et on va le brancher tout simplement comme le casque. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il a des belles lumières. J'ai rien touché, franchement, j'ai rien touché pour l'instant. Il a des belles lumières. Je fais n'importe quoi, mais le son, ça va, franchement, le son là, ça va. Pas trop casse-couille. En plus, si vous aimez mon clavier en fait, que j'ai actuellement, qui est ici. Mais en fait, les touches, bah genre, c'est un peu le même design. Il est un peu surélevé, on va dire. Ça fait ressortir le RGB de 1. Et de 2, je trouve ça vraiment plus pratique. Donc franchement, en plus, genre le design, je vais vous montrer, le design est vraiment bien foutu. Franchement, il est assez cool. Donc le mec, je viens de découvrir une touche. Je sais pas à quoi sert. Allumer, arrêter. Je pense qu'il y a des options pour le RGB. Bref, c'est un bon clavier. Franchement, je valide. Je vais faire une petite game après avec tout le setup, tout simplement. Et je vais vous dire un ressenti. Dernier objet, les mecs, c'est la souris. On va voir si la souris, elle est bien ou non. Mais normalement, bah, je vois pas pourquoi. Ce serait pas mal. Alors, déjà, un très bon point, les mecs. Alors, vraiment, un très très gros point. Vraiment, pour le prix, je trouve que c'est très très clean. Donc voilà, la souris, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a un RGB qui tourne en fait. C'est jamais le même. Ça, c'est cool.
Après ça se voit un petit peu là, mais moins que sur le logo. Le logo qui est très... Enfin franchement je le trouve bien. Il passe vraiment crème. Franchement il passe vraiment crème. Il me fait penser à la G502 ou encore à la Razer Decider. Donc un gros point là pour l'instant. Bah attendez, j'ai utilisé le tapis de souris. Je vais le mettre en dessous. Normalement il va mieux aller. Ouais là ça glisse mieux déjà. Mieux prévu pour. Déjà en butterfly mieux. Ça enfin, c'est sûr à 100%. Je pense que je ferai plus de clics avec un butterfly avec cette souris. Vraiment le clic il est assez léger quand même. Ça c'est un bon point si vous jouez à Minecraft. Après voilà. Avec tous les items réunis franchement. Bah je vais tout simplement vous montrer un jeu ce que ça donne les mecs. Et puis bah, on se retrouve juste après les mecs. N'oubliez pas le pouce bleu, ça pourrait que me faire plaisir et me motiver. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que je compte vraiment rouvrir des produits comme ça et vous conseiller un petit peu. Donc c'est pas déjà fait, vous abonnez les mecs, ça prend quelques secondes et puis c'est gratuit. Du coup les mecs, je bouge tout ça puis je vous dis bah tout simplement à tout de suite. Et donc du coup les mecs, on se retrouve en jeu pour un petit test de la qualité. Alors je sais pas si je mets prêt ou pas le micro de ma bouche, je sais pas du tout. Parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de jouer avec un micro casque. Du coup on va voir, mais en tout cas les basses elles sont vraiment genre de ouf. Ça vibre beaucoup en fait et genre c'est grave stylé. Vous allez voir, j'ai mis un petit peu le son Minecraft, assez stylé quand même. J'ai augmenté le DPI de la souris parce qu'en fait comme le tapis est un petit peu petit, vaut mieux prendre une petite sensi, enfin genre une plus grosse sensi je veux dire. Ok, let's go. J'ai galéré parce qu'en fait le fil est assez loin. Je sais pas comment je vais le faire passer, ça me casse un peu les couilles. Ok, bon barrage kit. Je trouve vraiment cool entre le clavier, le casque et la souris. Je pense que mon préféré ça serait peut-être le casque parce que moi j'en avais pas. Après le clavier en deuxième et après la souris parce que souris bah j'ai tout ce qu'il faut. Mais le clavier franchement, le rétro éclairage il passe vraiment crème. Franchement je trouve ça assez cool. En tout cas moi je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Le test est vraiment bien donc si vous voulez bah, améliorer votre setup avec moins de 60€ on va dire, vous pouvez. Pour le deuxième colis les gars, je le fais gagner un peu plus tard donc n'hésitez pas à aller follow le Twitter de mon serveur en fait. Bientôt ouvrir mon serveur donc c'est pas déjà fait, allez le follow les mecs. Moi je vous dis à la prochaine, c'était GX. Et bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour unbox une souris à 1€ et à 5000 likes. Et bah on peut éventuellement l'exploser tout simplement. Donc ça ne tient qu'à vous les mecs. Bref on va ouvrir cette souris.